Yo tout le monde, petite intro pour vous rappeler qu'il s'agit là de la partie 2 de I Am Mary Mary. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite très fortement à aller la voir. Je vous mets une petite fiche juste en haut de votre écran. Si vous avez déjà vu la partie 1, c'est parfait. Lançons-nous tout de suite dans la deuxième et dernière partie de l'enquête sur I Am Mary Mary. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici, loin de là, on a à peine traité de la moitié de la chaîne. En effet, nous nous sommes arrêtés à la première grosse vidéo de Mary, Do Not Touch. Vidéo qui finit en apothéose sur les cris de panique et la tétanie de Mary. Et la suite de cette histoire ne va pas être plus reluisante. En effet, elle traite de problèmes qui ont pu arriver à votre entourage, proche ou moins proche, puisque ça peut arriver à tout le monde, et je le sais parce que c'est arrivé à des membres de ma famille et à des amis à moi. Nous allons à présent parler d'un nouveau lieu qui apparaîtra peu de temps après les événements de Do Not Touch et qui gagnera de plus en plus d'importance dans la série, le jardin. La première apparition du jardin va se passer dans l'épisode Discovery, où, alors qu'elle se faisait pourchasser par la femme voilée, Mary va ouvrir une porte dans la chambre à l'étage de sa maison et va atterrir dans un cordeau, apparemment très profond puisqu'on peut très clairement l'entendre se noyer. Et la vidéo d'ailleurs va s'arrêter sur ça. L'épisode suivant, Outside Inside, va nous montrer cet endroit plus en détail. Alors que Mary l'explore, elle s'y sent bien, trouve que ce qu'elle appelle le jardin est tranquille, calme, et qu'elle pourrait y rester pendant des heures. À la fin de cette vidéo, Mary est pourtant comme téléportée dans la maison à nouveau, mais cette fois-ci elle aura un objectif, une idée fixe en tête, retrouver le jardin, et retrouver cette sérénité qu'elle avait à l'intérieur. Par chance, elle va réussir à retrouver le chemin vers le jardin, et nous savons, puisqu'elle va le dire, qu'elle y passe ses nuits. Nuit qui auparavant était une succession de courses-poursuites et de cache-cache géants avec les autres entités de la maison. Mais le jardin n'est pas si isolé du monde imaginaire de Mary qu'il n'y paraît. Dans l'épisode Intruder, on va rencontrer l'alter ego de Mary, habillée tout en blanc, qu'on appellera la femme en blanc. Parce que pourquoi se compliquer la vie? La femme en blanc semble assez amicale. La seule chose qu'elle fait restera de masquer son visage et de marmonner des choses du genre « casse-toi », sous-entendu « casse-toi du jardin ». Mais pourquoi? Si on analyse la symbolique du blanc, on va tomber sur des choses généralement positives, comme la pureté, la bonté. Pourquoi cette entité, qui symboliserait le bon, souhaiterait que Mary quitte son havre de paix pour rejoindre les monstres de son cerveau? Est-ce que faire ceci l'aiderait à aller mieux et à combattre sa situation? Et si c'est le cas, alors que serait le jardin s'il n'est pas bon pour Mary? Il va falloir s'accrocher pour cette partie parce que c'est clairement la plus montée en l'air. Mais on va remercier encore une fois le chat Twitch qui m'a énormément aidé à pouvoir faire le tri dans les informations et enfin déterrer quelque chose qui semble un peu plus crédible. Est-ce que vous êtes prêts? Le jardin ne serait pas le paradis de Mary, mais plutôt l'introduction à l'utilisation des drogues pour masquer ses problèmes. Ouais, je sais, ça peut paraître gros, mais quand on commence à s'y attarder, ça a du sens. On rappelle que la maison est une représentation de son esprit, donc réussir à aller à l'extérieur serait comme entrer dans un état neurologique second. Il n'est pas rare aussi que certaines personnes décrivent leur première expérience avec la drogue comme géniale ou tripante mais cool, ce qui les a aidés au moment où ils l'ont fait pour se sentir mieux. Parce qu'en général, on va pas se taper des rails ou se piquer pour la beauté du geste. Sauf si on a un sérieux problème d'inconscience. Toujours est-il que Mary décrit la situation parfaitement. Sa première expérience avec le jardin est vue comme paisible, reposante, salvatrice, alors que la maison était alors devenue un véritable enfer avec toutes les entités qui s'activaient. Mais on va la voir devenir dépendante très rapidement du jardin. Tous les soirs, elle doit aller dans le jardin. C'est obligatoire pour qu'elle se sente bien. Elle se coupe aussi de ses amis, des personnes rencontrées sur internet, les viewers, comme on peut le voir dans les lignes trouvées dans Intruder. Elle ne recherche plus les réponses qu'elle cherchait au début de l'histoire, à savoir ce qu'elle faisait ici et comment est-ce qu'elle est arrivée là, étant donné qu'elle pense maintenant qu'elle a tout ce qu'il lui faut dans le jardin. Malheureusement, ce dernier va commencer à changer petit à petit de manière subtile. Il fait de moins en moins beau, Mary va découvrir des endroits qui mériteraient d'être explorés en urbex, des objets cassés et rouillés comme la carcasse d'une voiture. Le jardin aussi peut être uniquement constitué d'eau. Eau où Mary va se noyer, comme dans le premier contact qu'elle a eu avec le jardin. Visuellement aussi, il y a pas mal de glitchs. On peut voir Mary d'un côté paisible dans le jardin, et d'un autre côté, toujours dans le jardin, hurler, crier à s'en déchirer les poumons. À la fin d'Intruder, on peut même voir Mary s'effondrer dans le jardin, et on va l'entendre vomir en off-caméra. Et ce n'est pas tout, on peut voir également sur Twitter que plus la situation avance, moins Mary est sereine. En plus, mes siestes dans le jardin ne semblent plus suffire. Je n'arrivais déjà plus à dormir dans la maison, qui est un véritable enfer, mais dormir dans le jardin n'est plus aussi gratifiant, un peu comme si j'étais encore fatigué après m'être réveillé, je suppose. Je crois que je suis en train de tomber malade. J'ai souvent des nausées, mais pas pendant la journée. En général, c'est quand je rentre dans le jardin. Peut-être que je ne mange pas assez quand j'y suis. C'est étrange.
Je remercie le chat aussi qui m'a fait penser aux 5 étapes de l'addiction. La première fois, l'usage régulier, l'usage risqué, la dépendance et enfin, la maladie. La première fois de Marie concernant la drogue peut être vue comme un accident alors qu'elle cherchait à fuir la femme voilée, symbole de la dépression. À partir du moment où elle va régulièrement consommer de la drogue, les trips vont être plus courts, expliquant pourquoi ses voyages dans le jardin sont interrompus brutalement pour la téléporter de nouveau dans la maison. De plus, son comportement nous conforte dans cette idée. L'addiction peut provoquer une perte d'appétit, une perte d'intérêt dans ses hobbies ou toute autre activité, comme par exemple la recherche de sa propre identité ou la raison pour laquelle elle est bloquée dans cette maison. Et l'aspect de la maladie est parfaitement visible quand elle se retrouve de nouveau dans la maison. La silhouette noire, déjà grande, est devenue tellement immense qu'elle ne rentre même plus dans le cadre de la caméra. Beauty est vue dominant totalement Marie dans son reflet, allant jusqu'à la tuer à la fin de 8 Months Later. La femme voilée, quant à elle, va la blesser physiquement, alors qu'avant, certes, elle lui faisait peur, mais ça s'arrêtait surtout à de la violence verbale. C'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question: quel genre de drogue peut défoncer autant quelqu'un qu'il aggrave ses problèmes mentaux? Et étonnamment, ou pas, un tas de propositions ont été faites, et toutes ces propositions étaient plus ou moins légitimes. Mais la plus commune et celle qui nous a fait le plus tiquer est la piste de l'héroïne. Plus particulièrement pour deux éléments qui vont particulièrement dans ce sens. Dans l'épisode Last 8 Months, on peut voir que les cheveux de Marie commencent à tomber, ou du moins faiblir suffisamment au point de pouvoir se faire arracher facilement. De même pour ses dents, étant donné qu'on va la voir arracher une de ses dents avec une étonnante facilité, ce qui confirme la piste de l'utilisation de la drogue par Marie. Ces signes d'ailleurs nous aident également à comprendre que la drogue utilisée est l'héroïne. En effet, la perte de cheveux peut être un symptôme d'effluve de télogène, qui est en fait un nom barbare pour indiquer la chute de cheveux prématurés à cause d'un choc chimique qui interrompt la croissance de nos cheveux. Et il en va de même pour les dents. Comme présenté dans le journal de l'association dentaire américaine, les dentistes ont pu constater que les patients héroïnomanes avaient des soucis de caries et de dentition de manière générale dû au fait que la drogue affectait les racines des dents, les déchaussant pour finalement les faire tomber. Mais le fait le plus évident, et celui qui avait fait tiquer tout le monde durant le live, était le fait que Marie touchait beaucoup trop souvent son bras pour que ce soit anodin. Marie en effet regarde son avant-bras de manière très insistante, comme si elle cherchait quelque chose, peut-être des traces de piqûres. En plus des divers traumas que Marie a déjà, elle doit maintenant en plus gérer l'addiction à la drogue. Et pour ceux qui malheureusement sont dans l'un des deux cas, ou voire les deux, vous savez qu'il est quasi mission impossible de faire un travail sur soi. Mais heureusement, Marie n'est pas seule. En effet, avec le jardin est arrivée aussi une autre entité, la femme en blanc. Entité qui a eu le même traitement que les autres dans la maison. Marie ne lui fait pas confiance et elle tente de l'éviter coûte que coûte. Et en même temps, qui ferait confiance à quelqu'un qui cache ses yeux et mime des mots sans le dire? D'ailleurs, Marie ne va absolument pas comprendre pourquoi est-ce qu'elle fait ça, ni ce qu'elle veut dire, puisqu'elle ne sait pas lire sur les lèvres. Mais heureusement pour vous, nous nous sommes affairés à le faire en live, passant Intruder des dizaines de fois pour enfin réussir à comprendre ce qu'elle disait. Cet endroit n'est pas bon. Mais les actions de la femme en blanc ne s'arrêtent pas là. En effet, souvenez-vous, Marie a un blog où elle va raconter un petit peu sa vie dans la maison, poster des photos de son journal intime et d'autres petites imageries qui ne sont pas forcément très nettes. En soi, les informations qui sont dans ce blog sont très intéressantes, mais la partie la plus cool se trouve dans son code source. Allô ? Allô ? On m'entend ? Vous pouvez tous voir ça ? Bien, je pense que ça marche. J'ai essayé d'atteindre Marie depuis qu'elle est là, mais elle n'a pas l'air de me voir, d'entendre ou de capter apparemment. Je ne suis même pas sûr que je puisse physiquement entrer dans la maison. Ils sont tous en train d'empoisonner son esprit, lui faire croire que c'est normal, la conforter dans cette situation. Vous m'avez déjà vu dans le jardin. Je suis comme les autres, mais je vous promets, vous pouvez me faire confiance. Vraiment, j'aime Marie. Vraiment, je veux l'aider. Je lutte pour le contrôle, mais je suis trop faible pour combattre. Mais ce n'est pas tout. Attardons-nous 5 secondes sur cette partie. Vous m'avez vu dans le jardin. Sachant que la seule entité que nous avons pu voir dans le jardin était la femme en blanc, il est assez évident qu'elle est la personne derrière ces lignes. Un autre passage de ce texte aussi va nous intéresser. Je suis comme les autres. Autrement dit, un produit de l'imaginaire de Marie, une entité symbolisant quelque chose de positif chez la jeune femme. Peut-être sa conscience, son espoir, sa combativité, son envie de vivre. Après tout, elle dit qu'elle lutte pour le contrôle, mais qu'elle est juste trop faible pour le faire. Suite à ça, nous allons voir un autre passage où elle insultera ses grands morts à toutes les autres entités que je vous montre pas ici et qui va tailler un peu Marie, disant qu'elle se laisse un peu faire. Mais la suite par contre est intéressante. C'est là que vous entrez en jeu. Je ne peux pas dire avec certitude qu'elle vous fait confiance, mais elle pourrait vous écouter. Peut-être, je ne sais pas.
Elle est bornée, je sais, je pense qu'elle l'a déjà compris et ça va prendre un bon moment pour la convaincre qu'elle a tort. Elle pourrait ne pas écouter, se mettre en colère la connaissant, et je suis désolé si elle le fait. Ça va beaucoup la déranger, ce sera très inconfortable, mais elle en a besoin pour aller mieux. J'ai besoin que vous lui dites... Et le message se coupe là. La femme en blanc va essayer de retenter, mais malheureusement, elle se fait censurer. Toutefois, elle ne va pas se démonter, et va proposer alors une idée qu'elle vient d'avoir. Ah, j'ai une idée. Je vais encoder ce que je veux que vous le transmettiez. Je suis presque sûr qu'ils n'arriveront pas à censurer si c'est comme ça. Je vais l'envoyer par petits bouts, vous saurez quand ça viendra. Vous êtes tous intelligents, ça ne prendra pas longtemps. Et si tout va bien, je pourrai l'atteindre en personne bientôt. Alors nous avons cherché quel pourrait être le message caché que la femme en blanc aurait laissé. Dans le code source, dans les vidéos, dans le blog, dans le Twitter, et après des heures de recherche, j'ai pu trouver. La femme en blanc voulait que nous disions à Marie, arrête ça, fais-toi aider. Est-ce que le message aurait été communiqué à temps ? C'était obligatoire de faire une partie entière pour cette vidéo tant elle est chargée, elle fait pratiquement 40 minutes. Toutefois, si je devais la placer entre elle va bien et elle va pas bien, cette vidéo montre que Marie est au plus bas. Elle a des tics nerveux, elle contemple les couteaux de sa cuisine et semble globalement à bout de force, autant physiquement que mentalement. Elle tente d'accéder au jardin en ouvrant la première porte qu'elle avait utilisée pour y accéder, mais sans succès. La nuit arrive très vite et elle va retrouver la femme voilée qui semble... heureuse de la revoir. Cela faisait des mois apparemment qu'elle ne leur avait pas adressé la parole. Marie, encore une fois, est visiblement épuisée. Elle va lui parler et la supplier d'arrêter de la tuer pour qu'on en finisse. La femme voilée va alors lui rironner, lui disant que non, elle ne peut tout simplement pas faire ça. Et c'est alors que nous allons voir le visage de Marie pour la première fois en entier. On va la voir, regarder un des couteaux qu'elle avait pris en main plus tôt dans la vidéo, entourée de lumière et accompagnée de la femme voilée qui semble presque apaisante comme un soutien pour Marie alors qu'elle se prépare à passer à l'acte. Si bien sûr pour vous voir une fusion improbable entre Gollum et un détraqueur est pour vous une source de soutien. Marie est terrifiée, mais la femme volée va lui dire que justement, pour une fois, elle peut faire quelque chose contre ça. On peut voir dans l'imagerie de la scène une sorte de symbolique, comme la mort attendant patiemment sa prochaine cible ou un prédateur qui observerait les mouvements de sa future proie. Marie va hésiter et c'est avec impatience que la femme volée va continuer de mettre de l'huile sur le feu, disant qu'elle va décevoir tous les gens qui la regardent. Sauf qu'en faisant ça, la femme volée va faire une connerie. Enfin une connerie, pas vraiment. Mais Marie va alors se stopper et commencer à se poser des questions. La femme voilée va rattraper le coup en disant que ces gens ne sont pas réels, mais que s'ils l'étaient, ils seraient très dessus et ils seraient partis depuis longtemps. Au moment final, alors que Marie allait le faire pour sauter la vie, une notification sur son téléphone vient l'interrompre. Suivie d'une autre, puis de centaines d'autres. Marie va alors courir pour voir de quoi il en retourne et va voir des centaines et des centaines de messages de personnes ayant réussi, eux aussi, à percer le code de la femme en blanc. Une flopée de messages d'encouragement et de soutien vont alors venir, touchant Marie, lui faisant comprendre qu'ils étaient bel et bien réels et que Marie n'était pas seule. Marie va alors se rendre compte que la femme volée lui avait menti. Elle va alors prendre sa caméra et son courage à deux mains et confronter la femme devant elle, l'éclairant avec une lampe torche, comme si elle voulait mettre la lumière sur ses mensonges. Parce que oui, la femme voilée lui avait menti depuis le début. Elle va la confronter sur tous les mensonges qu'elle a pu lui faire avaler, lui montrant toutes les contradictions dans son propre discours, détruisant petit à petit toute la crédibilité de la femme voilée. Et pendant toute la tirade de Marie, la femme en question va rester silencieuse, agitée uniquement par ses tics nerveux. Marie va insister, lui demandant pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, et la femme voilée va faire quelque chose d'assez inattendu. Elle va reculer. Marie, surprise, va la laisser filer, mais va ensuite partir à sa recherche dans toute la maison. Les rôles sont alors inversés. Elle va la chercher dans toute la maison jusqu'à ce qu'elle se fasse prendre en traître dans la chambre du jardin. La femme voilée l'envoyant dans ce dernier en l'y poussant. Marie, se rendant compte qu'elle est dans de beaux draps, va se mettre à courir, essayant de trouver une sortie, ou du moins de trouver son allié, la femme en blanc. On peut l'entendre jurer et cracher toute sa frustration, étant donné que cette fois-ci, elle ne souhaitait pas revenir dans le jardin. Alors qu'elle dit avoir compris qu'elle souhaite partir, Ténèbres va alors apparaître dans les lieux,
C'est la première fois qu'une entité de la maison passe avec elle dans le jardin. Marie va se laisser guider par Ténèbres, qu'elle voit à des croisements dans le jardin, tentant de le rattraper. Marie va alors réussir à le confronter, essayant de comprendre pourquoi et comment il peut être là. Mais il va de nouveau fuir. Petit à petit, le jardin change autour de Marie. Ténèbres semble l'attirer vers les recoins sales et morts du jardin. On peut y voir des objets rouillés. Vient alors la deuxième confrontation de cet épisode. Marie est beaucoup plus sereine. Elle va tenter de communiquer avec Ténèbres, essayer de comprendre son anxiété par le biais d'un code. Un clignement, oui. Deux clignements, non. Et Ténèbres repart. Marie va partir à sa poursuite mais se rend compte que ça fait longtemps qu'elle est dans le jardin, qu'elle aurait dû retourner dans la maison depuis un moment déjà. Et pour couronner le tout, il va commencer à pleuvoir dans le jardin. On entend au loin des voix que Marie va alors chercher en dépit des efforts de Ténèbres pour l'emmener ailleurs. Elle se repère à la voix qui surgit de temps en temps mais semble perdue dans la partie forestière du jardin. On entend alors les voix plus distinctement, on dirait une personne qui appelle Marie. Et pendant ce temps, Ténèbres est de retour. Marie, contente d'avoir de la compagnie, va alors lui parler, lui faire remarquer qu'une part de lui est toujours en elle, se nourrissant de sa personne. Une part qui la rend terrifiée, flippée et en colère. Une part qui plus elle tente de l'enfouir et plus ça dégénère. Marie va alors lui demander si c'est normal que des choses arrivent quand elle part en couille, et étonnamment, Ténèbres va lui répondre que oui, c'est normal. Il ne va faire qu'un seul clignotement. Marie va alors dire à Ténèbres qu'elle est contente, que les gens la soutiennent. Et lui disent qu'elle a besoin d'aide. Ça, elle va le dire à contre-cœur, mais oui, Marie a besoin d'aide. Malgré les tentatives d'intimidation de Ténèbres, Marie va rester calme et même lui demander s'il veut bien l'aider à partir du jardin. Après tout, s'il est rentré, il peut sortir. Ténèbres ne va pas répondre et Marie va commencer à partir. Sauf que Ténèbres va en profiter pour la rattraper et la jeter au sol. On va alors voir à l'écran Marie avoir une crise de panique, on l'entend s'étouffer, manquer d'air, toutes les entités semblent être de retour, en force, des flashbacks, des précédents épisodes. Marie est submergée par les émotions qu'elle doit gérer. Tous les monstres dans sa tête se réjouissent, célèbrent son apparente défaite contre ses démons, l'anxiété, le regret, son estime d'elle très basse, la dépression, toutes ses émotions grandissent. Toutes bouge de manière frénétique. Le montage s'accélère de plus en plus, marquant le sentiment de dépassement, de trop-plein. Alors que tout semble perdu, Marie entend son prénom au loin. Marie va se calmer sous la voix douce d'une personne, floue, qui n'est autre que la femme en blanc, venue à sa rencontre dans le jardin pour l'aider, pour lui rappeler qu'elle est soutenue par beaucoup de monde, et que tout ira bien. La femme en blanc va alors sortir Marie de Ténèbres. Marie va la remercier, mais la femme lui rappelle que ce n'est que temporaire et qu'elle n'est pas seule, qu'elle a beaucoup d'aide. La femme en blanc lui explique tout ce qu'elle voit n'est que le produit de son imagination, qu'elle a créé la maison et le jardin, et qu'elle a beaucoup plus de pouvoir dans ce monde qu'elle ne l'imagine. Si elle le souhaite, elle pourrait le détruire et le refaire autant de fois qu'elle le souhaiterait. On va alors avoir droit à un parallèle avec la femme voilée au début de l'épisode, qui disait qu'elle ne pouvait rien faire sans Marie, puisque là encore, la femme en blanc lui dira qu'elle ne peut rien faire, c'est à elle de faire le nécessaire. Elle n'était là qu'en tant que guide. Elle va quand même lui expliquer qu'en reprenant le contrôle alors qu'elle était sous l'emprise de l'anxiété, elle l'avait en quelque sorte battue, et maintenant avait accès au pouvoir et l'emprise qu'elle avait sur elle. Leur conversation se coupe là, et Marie est de retour dans la partie forestière du jardin. Sauf que cette fois, elle semble bien plus en contrôle. En claquant des doigts, elle peut provoquer les mêmes phénomènes que Ténèbres, et en essayant un peu plus, elle va parvenir à ouvrir une sorte de portail en direction de la maison. Elle retombe alors directement face à la femme voilée ou dépression qu'elle va simplement enfermer dans la cave avant de l'y rejoindre. Là-bas, elle se fait embusquer par dépression qui pourtant va se faire repousser par Marie. Marie va confronter à son tour dépression, laissant exploser sa colère de s'être faite mentir à ce point pendant si longtemps. S'ensuit alors une longue discussion sur le fait que cette entité ne pourrait jamais vraiment disparaître, qu'elle reviendra toujours, que Marie n'était qu'un monstre. Ce à quoi Marie va répondre, peut-être que je suis un monstre. Mais ça dépendra de moi. Et Marie va littéralement exorciser son démon. Dépression lui saute dessus et la maison semble comme engloutie par Ténèbres, ou du moins le pouvoir de Ténèbres. La maison semble être sur le point d'exploser, Marie libère toute la puissance qu'elle peut et on peut voir la femme en blanc l'aider comme elle le peut depuis le jardin. Et après un grand flash, l'écran vire au noir. Pourtant, le calme semble être revenu, on peut voir les tentacules du pouvoir de Ténèbres se retirer petit à petit. Marie avait gagné. Dépression et Ténèbres n'étaient plus dans la maison. On peut voir à la fin de la vidéo Marie, seule dans la cave, reprendre connaissance et constater que c'est le matin. Elle va remonter et découvrir que la porte de la maison
est à présent ouverte. Ça y est, elle l'a fait. Marie s'est débarrassée de ses démons les plus voraces et elle est à présent libre. Mais il reste encore d'autres entités dans la maison, à savoir Beauty et la silhouette noire, son estime d'elle-même et ses regrets. C'est là que commence le dernier acte de I Am Mary, Mary, l'arc de la rédemption avec Goodbye. Ça y est, la porte est enfin ouverte après plus de 4 ans. Mary peut enfin sortir de cette maison. Si vous voulez mon avis, elle va être assez déçue étant donné que cette vidéo est sortie en mai 2020, à savoir plus ou moins au moment du confinement. Pas de bol. Pourtant, au début de la vidéo, Marie ne semble pas pressée, elle semble méditer sur le pas de la porte, probablement en train de repenser à tout ce qu'elle a vécu dans cette maison imaginaire, son esprit, tout ce qu'elle a pu apprendre sur elle-même, à savoir qu'elle était et restera toujours maîtresse de ses actes et pensées, qu'elle peut devenir ce qu'elle souhaite devenir. La vidéo est parsemée de clins d'œil à des moments iconiques de son épopée. Le canapé qui lui servait de lit durant la journée, alors qu'elle avait des difficultés à s'endormir à cause de ses regrets, qu'elle va utiliser une dernière fois. Le miroir plein pied où Beauty l'avait agressé et moqué à de nombreuses reprises, qu'elle utilise à présent pour s'admirer et apprécier son visage. La salle de bain, où combien de terrifiante avant, a repris son rôle, ses cheveux semblant également avoir repris de leur vigueur ne tombant plus en touffe quand elle les coiffe. Tout semble être rentré dans l'ordre. Marie aussi va se changer, chose qu'elle n'avait pas vraiment fait durant toutes ses vidéos. Elle porte à présent un haut bleu, bleu qui est la couleur symbolisant l'évasion et la sagesse. Elle semble prendre plaisir à s'apprêter et se maquiller. Elle va alors chercher son manteau, faire son sac en portant avec elle la robe que son manque d'estime d'elle-même l'avait empêchée de porter et enfile ses affaires, prête à partir. Mais avant ça, elle va aller confronter Beauty une dernière fois, la regardant droit dans les yeux et soutenant son regard, jusqu'à ce que Beauty disparaisse. Comme dépression et anxiété. Elle va en faire de même, confronter ses regrets, s'asseoir avec eux et discuter, leur disant que ce sera plus facile avec le temps. Nous allons enfin voir Marie, à l'extérieur de la maison, se confiant à nous, nous disant qu'elle ne savait pas si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose, si c'était une bonne ou une mauvaise fin. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'à présent elle est différente de la veille, que quelque chose a changé, et elle l'espère, en bien. Elle va enfin remercier toute son audience, ses aides, pour le soutien apporté, s'excuser du fait qu'elle soit aussi bornée et de ne pas avoir écouté les gens qui voulaient l'aider depuis le début. Elle nous dit qu'elle sait que la dépression reviendra, mais que peu importe la difficulté, cette fois-ci, elle se battra de toutes ses forces. Marie va alors tendre la main à celui qui, comme elle, est piégé dans sa propre tête, l'invitant à se battre lui aussi, parce que elle se battra avec lui. Elle sait que le faire seul est impossible et qu'il faut se faire aider. L'essentiel est de ne pas abandonner. Elle conclut son monologue en nous disant qu'elle s'appelle Marie, et qu'elle n'est pas seule, que nous ne sommes pas seuls. Et une chose est certaine, pour elle, comme pour nous, la porte est toujours ouverte, et il ne tient qu'à nous de faire le premier pas. Et c'est ainsi que se conclut cette vidéo sur Hi, I am Mary Mary. Une écriture de texte et des recherches qui auront pris plusieurs mois, mine de rien, et un montage qui, je pense, prendra également une plombe. D'ailleurs, là j'affiche le temps de montage. Est-ce que c'est beaucoup? Dites-le moi en commentaire. Toujours est-il que personnellement, j'ai adoré me lancer à corps perdu dans cette aventure. Alors c'est vrai que je vous avais promis de faire cette vidéo il y a déjà un moment et que je mets un peu de temps à remplir mes promesses. Mais que voulez-vous? Je suis perfectionniste et je n'aime pas vous apporter du travail bâclé, surtout quand je fais les recherches moi-même. Et je sais, je prends du temps pour faire des vidéos, mais je veux donner le meilleur de moi-même. Je veux que quand vous visionnez une vidéo de Paradoxe, vous ayez l'impression d'avoir vécu un moment unique, un moment juste à vous. Merci énormément d'avoir suivi cette enquête, que ce soit par le biais de cette vidéo ou que ce soit sur les lives Twitch. Vous avez été phénoménaux et si cette vidéo vous a plu, pourquoi ne pas en refaire à l'avenir? Avant de vous quitter, je vous rappelle que des numéros verts ont été mis à disposition en description. Si vous n'avez personne à qui parler de votre situation actuelle mais que vous aussi vous voulez passer votre porte et vivre pleinement, je vous invite alors à les appeler. Ils sont là pour ça. Après tout, comme on dit, la meilleure aide vient toujours de vous-même. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, ciao !